Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un nouveau programme tranquillement, bas des abdos et oblique poignée d'amour. Très important, là où on stocke, tu vois. Là où même moi, j'ai un peu de brioche ici. On va attaquer ça tranquillement. Donc, prépare ton eau, prépare ton espace de travail et on va commencer. Alors, j'ai mis le micro plus bas, je sais pas si tu vas bien m'entendre, mais premier exercice, on va se faire des relevés de jambes. Les relevés de jambes, c'est très important pour le bas des abdos et toute cette zone-là, là, tu vois, toute cette zone-là où on stocke du gras, d'accord? C'est l'exercice le plus important, celui qui va aussi te donner le ventre plat. Donc, on va le faire. On va se faire 4 fois 15 répétitions avec 30 secondes de repos. Ça va faire mal, mais on n'a pas le choix, d'accord? On n'a pas le choix. On va faire ça bien. Bon. Hop. Là, relevé de jambes, simple. Hop. Tu te couches soit sur ton sol ou sur le banc à abdos. Il n'y a rien qui change, d'accord? Il n'y a rien qui change. Mon banc est légèrement incliné, tu vois, pour essayer d'avoir un ressenti un peu plus important au niveau des abdos, mais il n'y a rien qui change. Hop, moi j'aime bien avoir un appui derrière moi et je balance mon mouvement. On va se faire 15 reps. Je ferme juste ma poche parce qu'il y a mon boîtier de micro qui est dans ma poche. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14 et 15. Ok, j'y mets mon temps de repos 30 secondes. Les abdos, ça récupère très vite, c'est ingrat. Donc, on va les tabasser. On est là pour ça. On est là pour progresser. J'ai oublié de prendre mon eau. Je vais la prendre entre la coupure du premier et deuxième. Enfin, à la fin du premier exercice. Mais là, ça va. Je ressens pas trop la soif pour le moment. Et je fais mon petit trait tranquillement. 28, 29. On repart. On se replace. Hop. On se met en position et on y va. Une. Deux. Allez. Trois. 4, allez, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14 et 15. Super. Hop, on remet le temps de repos. Non, on en fait juste 4, d'accord? Juste 4, pas plus. Les abdos, il y en a qui matraquent. Il y en a qui font des séries de 100, 2000 abdos, de 200 abdos. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les abdos, on est là pour les muscler, pour les rendre visibles. On n'est pas là pour les détruire, être puissant dans les abdos pour des sports de combat et tout. On est juste là pour les rendre visibles, être esthétique. C'est important. On arrive à 30, on se replace. Allez. Hop. Une. Deux. 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, ça fait mal, c'est que ça bosse, 10, allez, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Hop, je mets mon temps de repos. Il en reste une. Il en reste une et le premier exercice sera validé. Oh. C'est ça les abdos, c'est ça. En plus là j'ai mis un haut de Power Ranger bleu là qui m'arrange pas du tout. Mais bon je suis obligé parce que sinon le micro ne pourra pas tenir malheureusement. Mais bon, on va assumer ça convenablement. 28, ok super. On se replace tranquillement. Hop, et on repart pour la dernière. 1, 2, 3, 4 pour le ventre plat, allez, 5, 6, 7, c'est rapide, allez, 8,
9, allez, 10, il en manque 5, allez, 5, 4, allez, 3, 2, 1, ok, super. Oh. Je mets mon dernier trait. Ok. Je mets mon temps de repos. On part sur 1 minute 30 de repos. Et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice. Bon, celui-là, il risque de faire mal. Mais on est là pour ça. On n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, on est là pour notre physique. On est là pour notre ventre plat. Et on va tout faire pour avoir notre ventre plat. On va se faire un exercice qui est bien. Ok ? Tu te mets par terre sur ton banc où tu veux. Hop, on se met dans cette position-là. Et on fait hop, 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 d'accord. En gros, l'exercice, ça va être hop, une, hop, deux, hop, trois, ok. C'est comme un mouvement de vélo, d'accord. C'est pas un vélo, mais c'est comme un vélo. On va faire ça bien. Pour donner le bon rythme, hop, une jambe en avant, on se met comme ça. Hop, une, d'accord. On commence comme ça, directement. On est toujours gainé dans cette position. Tu dois bien sentir tes abdos. Je me prépare bien parce que juste l'échauffement, enfin, la démonstration du mouvement, ça m'a déjà fait mal. Oh. Allez, on se place. 5, 4, 3, 2, 1, hop. 1, allez, 2, 3, 4, on en fait 15. 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh. Repos, pareil, 30 secondes, d'accord ? Histoire de récupérer vite. J'ai pris mon eau, tranquillement. Par contre, d'habitude, je prends de l'eau sans marque. D'habitude, l'eau à Lidl ou je sais pas où. Là, un jour, j'ai pris de l'eau Evian parce qu'avec que ça, c'est incroyable. Comment l'eau, elle est pure, c'est un truc de fou. Là, je sens la différence, c'est incroyable. Allez, on y va, on va repartir. Hop. On se met en position. Hop. Une, allez. Deux, trois, quatre, allez. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, allez. Onze, douze. 13, 14, 15, ok. Alors c'est un mouvement qui est très difficile, tu vois. Si tu commences à avoir un peu de mal, comme moi, baisse un tout petit peu les jambes. Si tu sens que tu es à l'aise, tu peux aller plus haut. Tu peux, hop, monter un peu plus les jambes. C'est compliqué, même moi j'ai du mal pour te dire. Tu vois, on est là, on fait les programmes. Mais je suis pas un surhomme. C'est des mouvements où moi aussi je peux avoir du mal, d'accord. Et le but de la chaîne, c'est pas moi qui t'entraîne, c'est qu'on progresse ensemble. C'est important. On repart, c'est parti. Allez. Oh. On se place. 1, allez. 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, allez, 14, 15, ok. Oh. Oh. Allez, j'ai mon temps de repos à mettre. Je dois pas gagner de temps. C'est la dernière là. C'est la dernière. C'est un exercice dur. Il se peut que t'aies du mal, il se peut que c'est dur et tout, mais fais-le, fais ton possible. Fais comme tu le sens, tu verras. Au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer dans le mouvement. Et les résultats seront là, je t'assure. Oh, l'eau Evian, c'est incroyable. Vraiment. Bon, on repart, allez. Oh. 30 secondes, c'est rapide, hein. C'est rapide. Mais on est là pour progresser. C'est important. T'as pas fait ce programme pour rien. On y va. Hop. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7. 8, allez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, oh, on est bon, bon, hop,
Là, je mets mon temps de repos, je mets mon quatrième trait de la victoire. On est bon. Je vais prendre une minute. Toi, tu peux prendre une minute ou une minute trente. Et on passe à l'exercice suivant. Troisième exercice, on va travailler les obliques, les poignées d'amour, très important. Alors, on va prendre un poids. Hop, on va le laisser le bras tendu, ok? On met une main sur la hanche et on descend jusqu'à sentir une petite douleur à ce niveau-là et on remonte, ok? On va faire des séries de 10 répétitions de chaque côté. Si tu veux avoir un meilleur ressenti, et moi comment je vais faire cet exercice-là et travailler beaucoup plus de muscles par rapport aux abdos, on va se faire une variante super. On va rentrer le ventre, ok? Bon, le ventre il est ressorti, hop, là je le rentre au maximum jusqu'à sentir une petite douleur. Cette petite douleur à l'intérieur, c'est le vacuum, d'accord? C'est le muscle qui est le plus antérieur aux abdos, c'est le plus profond. Ça se voit pas, mais c'est ce muscle-là qui te permet d'avoir un ventre plat. On reste dans cette position-là, on bombe un peu le torse, hop, je prends mon halter, je suis comme ça, et pareil, je fais la même chose. C'est un peu plus dur, mais si tu sais le faire, fais ça. Comme ça, on va travailler le vacuum et en même temps, oblique, poignée d'amour, tout le bordel, ok? Des séries de 10 de chaque côté. Allez, hop, je prends mon halter, long du corps, je bombe le torse, je rentre le ventre, une main ici et on y va. Une, deux, ok, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, l'autre côté. Une, allez, 2, 3, allez, 4, 5, 6, allez, 7, 8, allez, 9 et 10. Ok. Serrer le ventre, ça fait mal. Repos, 30 secondes. Aussi, très important, cet exercice, je le fais assis, mais tu peux le faire debout, d'accord? Moi, c'est juste que je me sens mieux assis. Sur la caméra, c'est plus agréable, sachant que là, j'ai mon temps de repos à côté. Donc, je suis bien. Je suis confortable et c'est ce qu'on aime, c'est important. On arrive à 30, on repart. Comme je t'ai dit, les abdos, ça récupère très très vite. Une, deux, allez, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf et dix, super. Oh. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, on va chercher ces obliques, allez, six, sept, huit, allez, neuf, et dix, ok. Hop, je mets mon temps de repos, mon petit trait. Par contre, à partir de la deuxième vers la fin, j'arrivais plus trop à rentrer mon ventre au maximum. Si tu arrives plus aussi, c'est pas grave, c'est normal, d'accord? Le but, c'est de se forcer à le faire régulièrement, histoire de bosser un peu le vacuum. C'est très important. Si par exemple, à partir de là, tu sens que c'est trop dur, ne le fais pas. Fais le mouvement normal. Concentre-toi sur tes obliques et tout. Concentre-toi sur ça, c'est important. J'ai même plus à parler, je suis fatigué. On reprend parce que on est déjà arrivé à 30. On y va. Une, deux, allez, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, à l'autre côté. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, 7, allez, 8, 9
et 10. Ok, super. Je mets mon temps de repos, un petit trait. Il en manque une dernière et après, on est bon. On n'oublie pas de boire une petite gorgée ou deux pour être tranquille. Après tes abdos, n'oublie pas de boire beaucoup d'eau après ta séance abdos parce que la crampe est vite arrivée avec les abdos. Et crois-moi qu'une crampe aux abdos, c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. On arrive à 30, on se replace et on repart. Tu connais le programme. C'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, allez, 7, 8, allez, 9 et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Bon, hop. Je fais mon temps de repos tranquillement. On a fini. Je mets mon trait. On est bon. On est très très bon. Bon, temps de repos prend une minute. Parce que le dernier exercice, il sera tranquille, ok? Oh, profite pour bien boire. Et moi, je te rejoins juste après. Dernier exercice, c'est simple. On va juste rentrer le ventre au maximum jusqu'à sentir ces petites douleurs, le vacuum. Et on va inspirer et expirer. On va rester comme ça, avec le ventre rentré, avec la petite douleur. On va rester une minute comme ça. Moi, tu vois, moi, je peux parler, je peux discuter, je peux tout faire. Et toi, enfin, si tu peux pas parler et tout, d'ailleurs, tu es tout seul. Hein. Donc, si tu peux pas parler et tout, tu inspires et t'expires, ok? Maintiens la position, je lance le chrono et on maintient cette pause tranquillement pendant une minute. Pendant ce temps, moi, je peux te raconter quelques conneries et la journée que j'ai passée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis parti au resto avec les frérots, je me suis mis bien, d'accord? Après trois semaines de diet sans cheat meal, sans manger trop gras, ça m'a fait du bien, franchement ça m'a fait du bien. Là aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite séance abdo et aussi de reprendre les programmes sur YouTube suite à mon absence. Et voilà, de reprendre le summer body, même si que là, voilà, on a un joint, c'est compliqué. Mais pour ceux qui veulent quand même bosser les abdos, ceux qui veulent quand même progresser, évoluer sans se soucier du temps, on est là pour faire les choses bien ensemble. C'est important. D'ailleurs, beaucoup de personnes me disent de faire des vidéos sur la diète. On est à une minute, tu peux relâcher le ventre tranquillement. Pour ceux qui me disent de faire des programmes en diète, je vais venir avec une vidéo en diète parce que en vrai il n'y a pas de secret pour la diète. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, mais je vais en refaire, d'accord? Là on va repartir encore une fois. Hop, j'ai lancé le chrono, on rentre le ventre, on inspire et on expire tranquillement. On tient cette position pour bien travailler le vacuum, pour avoir un ventre plat. Je rappelle, cet exercice est fait pour que ton ventre reste bien plat et bien gainé. C'est important. Alors je te disais, la diète, je fais rien de compliqué, d'accord? Mais je vais l'expliquer en vidéo pour que tout le monde soit d'accord, sachant que les gens ne regardent pas tous mes vidéos jusqu'à la fin, donc si je t'explique ici, ça ne servira à rien. Je ferai une vidéo dédiée à ça et on va en parler convenablement, on va rigoler, on va faire plein de choses par rapport à ça. Le but, c'est que tout le monde soit mis au courant et qu'on avance tous de la même façon. On a 47 secondes. On maintient bien et on gaine, c'est important pour avoir un ventre plat. 58, 59, ok, c'est bon, on peut relâcher. Ok, on a fait juste deux pour la fin de séance, mais cet exercice-là, je t'invite à le faire souvent, d'accord?
même quand tu es chez toi, quand tu peux le faire, quand tu fais rien avant de dormir, je t'invite à le faire, à rentrer le ventre au maximum, inspirer, expirer. Tu peux écouter de la musique, faire ce que tu veux, ça c'est très important. Ça va t'aider à avoir une bonne ligne. Là, je ne sais pas si mes abdos sont bien visibles, mais ça va t'aider, si tu veux, à avoir une très bonne ligne, un ventre plat. Ok? C'est très important. Oh, bon. Moi, je vais te laisser ici. Si t'aimais ce programme, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Tu sais très bien que ça me fait plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne et à montrer le contenu à plusieurs personnes. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.